misa makolo uza nzambe obobwalite. Il n'y a que toi qui peux faire que les faibles se réjouissent et dire nous sommes forts. Il n'y a que toi qui peux faire que un stérile chante les gens de l'adresse de dire qu'aujourd'hui je suis fertile. De la poussière tu retires un peu. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je dis, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Non, là pour la gloire de Dieu, je parle pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclamer? Je parle pour la gloire de Dieu. Non, est-ce que quelqu'un que Dieu a fait du bien est ici? Est-ce que quelqu'un que Dieu lui a donné la vie est ici? Est-ce que quelqu'un que Dieu lui a donné la vie? Est-ce que quelqu'un que Dieu lui a donné la vie est ici dans cet endroit? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Non, moi j'acclame pour la gloire de Dieu. Oui, moi je saute pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer? Laisse-moi t'apprendre, c'est 2021. Laisse-moi t'apprendre, 2020 a été terrible. Est-ce que tu peux te lever pour glorifier Dieu, pour bénir l'Éternel, lui qui t'a gardé depuis janvier jusqu'à décembre. Maintenant, voilà une nouvelle année. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu? Louer Dieu maintenant. Bougez, 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 bougez. Ah, 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 ah. Louez Dieu. Venez, 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 louez Dieu, dansez. Qui doit être pour ton nom, le roi, ce n'est pas toi, il n'y a que lui. Nous t'élouons, si il était, qui doit être pour ton nom, le roi, si ce n'est pas toi. Oh, nous t'acclamons, si il était, qui doit être pour ton nom, le roi, si ce n'est pas toi, nous t'élouons, si il était, qui doit être pour ton nom, le roi, si ce n'est pas toi. Oh, nous t'acclamons. Qui doit être pour vous, nous louons, si ce n'est pas toi, nous t'élouons, tu y étais. Qui doit être pour vous, nous louons, si ce n'est pas toi. Oh, qui soit loué, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, qui soit loué, le roi du roi. Oh, louons, louons, Jésus, louons, louons, le roi du roi. Oh, qui soit loué. Qui soit loué, Jésus, qui soit loué, qui soit loué, le roi du roi. Oh, qui soit loué, qui soit loué, Jésus, oh, qui soit loué, qui soit loué, le roi des rois. Oh, louons, louons, Jésus, louons, louons, le roi des rois. Zola ya Manantambi Bukalonga, o kese ya ye. Kese ya ya, Manantambi Bukalonga, kese ya ya. Oh, ki soit loué, ki soit loué, Jésus. Ki soit loué, ki soit loué, le roi des rois. Oh, louons, louons, Jésus. Louons, louons, le roi des rois. Sola ya ya.
Mwananza mi bukaloka Zola ya ya Zola ya ya Mwananza mi bukaloka Zola ya ya Bolingo ya kana Yesu we bolingo ya sukateo 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 O Yesu babeta kie pona wa Yesu mbafinga kie mona kaya Ale Ebongo ye koti na moto na Yesu Aleluya Oh, Aleluya 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 Obina kawapie Coca-Cola Yangote, Tea, 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 Tea. Amen. Amen. Mettez la sécurité sur ma boca, acclamez pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu te fait du bien, il faut rendre aussi gloire à Dieu. Hein? Parce que Dieu nous a fait du bien. Il nous a donné la vie, il nous a donné la paix, la santé. Voici, nous sommes dans cette année nouvelle. Pourquoi ne pas rendre gloire à Dieu? Alléluia. Comme David disait, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Là où les gens ne pouvaient plus respirer, là où on était bloqué à la maison, mais la bonté de l'Éternel s'est manifestée. Dieu t'a localisé. Oh, la grâce de Dieu t'a affecté. Alléluia. Oh non, quelqu'un peut donner des cris de joie pour rien que pour rendre gloire à Dieu. Non, tes cris de joie, il doit monter jusqu'à l'Éternel. Quelqu'un pousse les cris de joie. Amen.
Laisse-moi te dire que l'Éternel est en train d'opérer de grandes choses. Et ce que l'Éternel fait, aucun être ne peut opérer dans votre vie. Oh, j'aimerais apprendre à un enfant de Dieu, tu es appelé à expérimenter la grâce ainsi que la bonté de l'Éternel. Et laisse-moi te dire une chose, que chaque fois que Dieu nous donne une opportunité, soyez dans la joie. Oh, David est ce soir, Davidos est ce soir, je ne sais pas les Davina, Davina. Est-ce qu'il y a-t-il un Davina ce soir? Quelqu'un qui est dans la joie devant la présence de ton Dieu. Oh, laisse-moi te dire que le ciel s'ouvre, que tu reçoives la bénédiction venant de Dieu. Et je crois et je le sais, je témoigne. Comme dit la Bible, personne n'a rencontré l'Éternel et resté le même. Oh, ce soir, cet après-midi, quelque chose doit se passer dans votre vie. Oh, je déclare par la foi, cet après-midi, de nouvelles choses, une dimension nouvelle doit commencer dans votre vie. Oh, je proclame que cette année, peu importe les formes et les barrières que l'ennemi a planifiées, toi, tu dois traverser au nom de Jésus. Oh, je déclare par la foi, aucune limitation de l'ennemi ne pourra avoir effet dans cette année nouvelle. Étant donné que la parole t'a accompagné, oh, durant cette année, tu vivras des merveilles et des grandes choses de Dieu. Tu dois expérimenter Dieu d'une manière extraordinaire. Oh, que la grâce localise ta maison. Oh, j'aimerais dire à un enfant de Dieu cet après-midi, la parole viendra chez toi. Oh non, la parole viendra chez toi, je parle. La parole viendra chez toi. Pourquoi je parle que la parole viendra chez toi? Lorsque la parole arrive sur une personne, des choses impossibles commencent à devenir possibles. Oh, la maladie commence à quitter. La pauvreté commence à lâcher. La sécheresse commence à céder. Des choses négatives de l'ennemi commencent à te lâcher. Tout simplement parce que la parole est venue en toi. Ma Bible me dit, il envoya la parole et la parole nous a guéris. Oh, que la parole t'apporte la guérison. Une autre dimension spirituelle s'ouvre en toi, que tu expérimentes la bonté de l'Éternel. Si on a loué Dieu, on a pris 15 minutes, bien aimé, laisse-moi te dire, quand Dieu fait des choses, il faut bénir l'Éternel. Comme la Bible, comme on nous a enseigné, rendons continuellement grâce à notre Dieu. Oh, que mon âme rend grâce à l'Éternel. L'année peut être compliquée, j'ai mérité quelque chose. Lorsque l'Éternel a frappé les Égyptiens, les Israélites aussi étaient là. Le corona sera là, toi aussi tu seras là. Les sorciers seront là, toi aussi tu seras là. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, garde le silence jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oh, si tu as des ennemis, pardonne-les, aimez-les, parce que c'est juste un cadre que Dieu va utiliser pour ton ascension, pour que tu expérimentes Dieu. J'aimerais te dire une chose, l'année que nous sommes, l'année que nous venons de débuter, c'est l'année des restaurations divines. Alléluia. Restaurer veut dire, même si on construit, on a déjà fait, quand quelque chose commence à devenir ancien ou vieille, soit on démolit, on construit un neuf, soit on vient rénover. Alléluia. Restauration veut dire l'état que tu avais, l'état initial. Donc c'est-à-dire, même si tu as vieilli, que Dieu te rend jeune à cause de la restauration. Restauration veut dire, même si les ménopauses commencent à te dire que tu atteins les ménopauses, mais Dieu peut effacer ça au nom de Jésus. Restauration veut dire tout simplement que tu dois expérimenter de grandes choses de Dieu avec l'Éternel. Comme dit la Bible, nous ferons des exploits. Nous allons, par la grâce de Dieu, avec des serviteurs, nous allons parler de certaines choses. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose. Dieu peut utiliser, ou Dieu peut faire des miracles, un miracle, peu importe les choses que tu as dans tes mains. Dieu peut utiliser n'importe quelle chose, ou Dieu peut faire des miracles à n'importe quelle chose que toi tu peux avoir dans tes mains, soit dans tes capacités. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'aimerais riposter un enfant de Dieu. On n'a pas encore prié pour la parole. Pour que je décolle en esprit, nous allons prier. Courbez ta tête, dédiez ce moment, dis à l'Éternel, je dispose mon cœur, parle-moi. J'aimerais recevoir quelque chose, arracher quelque chose, un mystère qui va m'aider à traverser cette année 2021. Prions au nom de Jésus. Père, tu es la parole parlée. Nous avons besoin de toi et règne et descends. Seigneur, nous voulons arracher, attraper un mystère de la foi de telle manière que ça nous aide à traverser cette année 2021.
Que la puissance de l'Esprit de Dieu nous comble afin que nous recevons la parole. Que la grâce de Dieu enveloppe nos vies au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, toi qui es la parole parlée, révèle-nous. Oh, que le ciel s'ouvre, que la connaissance de l'Esprit descend en nous. Afin que nous recevons ce qui vient de toi, éternel notre Dieu, pour l'honneur et pour la gloire de ton nom. À ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je reprends encore pour dire, Dieu peut utiliser n'importe quelle chose, peu importe la forme, peu importe, ça peut être visible ou invisible, ça peut être déjà aussi mort, mais Dieu peut utiliser n'importe quelle chose pour faire un miracle. J'aimerais apprendre à un enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne sais pas, tu as des qualités, tu as des capacités que tu ne maîtrises pas, que tu ne sais pas, qu'avec ce que je suis, avec ce que j'ai déjà, Dieu peut utiliser cela pour faire un miracle. Oh non, je crois que Dieu peut t'utiliser dans cette assemblée pour que tu sois un miracle de cette année 2021. Oh, ce n'est pas le nombre, c'est une autre dimension de l'esprit qui doit monter, qui doit te faire comprendre. À comprendre, j'ai œuvré, j'ai travaillé, nous sommes l'église, nous pouvons être les derniers, mais Dieu peut utiliser une capacité que j'ai. Alléluia. La révélation, à quoi sert la révélation? La révélation va servir tout simplement à te réveiller. Te réveiller veut dire quoi? J'en ai déjà, mais je ne sais pas. Par rapport à ce que j'ai, Dieu peut faire un miracle. Alléluia. Et la révélation veut dire tout simplement, j'en ai, mais je ne pense pas que ça peut aussi produire un miracle. Ça veut dire tout simplement que non, je ne me considère pas et je ne sais. Même si des gens peuvent minimiser ta personne, même si ta situation, si tu comprends la parole de Dieu va créer des miracles. Oh, je prie cette Dieu, cette année que tu expérimentes Dieu. Cette année 2021, tu expérimentes Dieu. J'aimerais d'abord venir au niveau des chiffres. Les 1 représentent Dieu. Parce que ma Bible me dit qu'il y a 15 seuls Dieu. Inséparable et oh, on ne peut pas les diviser ni les séparer. Mais laisse-moi te dire une chose, mais ils opèrent à 3 dimensions. Comment expliquer? Aujourd'hui, on a inventé les 3D, mais Dieu opère à 3 dimensions. C'est complexe à expliquer, je ne vais pas entrer dans les détails cet après-midi. Mais le plus important, comprendre, nous voulons comprendre que Dieu peut utiliser n'importe quelle chose pour faire un miracle. Et j'aimerais juste te dire que tu as aussi ça. Ah, tu as ça aussi. Non, maman, vous avez ça aussi. Oh, les papas, vous avez ça aussi. Les jeunes, vous avez ça aussi. Mais le juste, c'est que vous ne savez pas que vous avez ça. Vous savez, quand vous ne savez pas que tu es grand, et la Bible dit même, un prince, tant qu'il n'est pas conscient qu'il est prince, au continu de péché, son melanga lipa. Alléluia. Il ne sait pas. Mais le jour où il va comprendre qu'il est prince, non, quand tu lui dis, il dira, non. Alléluia. Que la parole de Dieu soit une révélation qui va t'aider. Nous allons revenir dans Exode, qui va t'aider à dépasser des dimensions ou des limites qui existent dans votre vie. Exode, chapitre 4. Du premier au troisième verset. Je lis la parole. Moïse répondit, ils ne croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. Amen. C'est bon le 4? C'est bon. Quatrième, dernier verset 4. L'Éternel dit à Moïse, tends la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est l'histoire qui est, je dirais, connue. Pourquoi je dirais connue? Nous connaissons tous presque l'histoire de Moïse. Mais ici, il y a un mystère particulier que Dieu veut exploiter pour nous apprendre ou nous enseigner. Ou nous enseigner ou nous apprendre. Cela veut dire qu'à une époque dont nous savons tous qu'Israël était en captivité, Moïse a échoué, Moïse s'est retrouvé
chez Jéthro. Et par curiosité, Moïse a vu une buisson en train de consommer, qui ne consommait pas. Il y avait le feu, mais qui ne consommait pas. C'est par curiosité que Moïse s'est avancé auprès de cet endroit. Et la première parole, si vous venez dans cette histoire, vous allez voir, c'est l'ange qui commençait à parler en premier lieu. Après, c'est l'Éternel qui parla, qui parlait. Et lorsque l'Éternel commençait à parler, Moïse ne voulait pas regarder l'Éternel des pères de la vie. Alléluia. Et l'histoire est tellement longue, mais le problème, que Moïse savait qui était le peuple israélite. Il savait leur incrédulité. Il savait comment il était dur de croire à quelqu'un qui lui dit quelque chose qui venait de l'Éternel. Tellement leur malheur a duré. Leur situation a demeuré. Ils ont reçu plusieurs fausses prophéties, comme aujourd'hui. Un monsieur te fait un audio pour te dire demain c'est la fin du monde. Et l'autre te dit qu'écoutez, à midi il va faire soir. Le soleil va disparaître. Il y a tellement de choses. Croire, ça devient difficile. La même chose était des enfants d'Israël. Vous savez, aujourd'hui, même si nous prêchons la parole de Dieu, même si quelqu'un suit la parole de Dieu, il y a le plus grave. Ça dérange même les enfants de Dieu. Parce qu'ils ne veulent plus croire. Alléluia. Et la Bible apprend que Moïse, malgré le buisson, malgré attendre Dieu, il avait toujours des doutes. Que lui peut être en mesure ou capable d'accomplir ce que Dieu lui a dit. D'abord, la difficulté, c'était d'abord les enfants d'Israël. La deuxième, seconde difficulté était d'abord les Égyptiens, surtout Pharaon. Et Dieu lui a même promis, j'ai rendu le cœur de Pharaon dur. Alléluia. Et lorsque Dieu lui a dit à Moïse, jette ton bâton. Moïse jette son bâton et le bâton est devenu un serpent. Moïse a fui devant son bâton parce qu'il est devenu un serpent. Et l'Éternel parla encore de nouveau, prends ses bâtons. Et le bâton est devenu encore comme avant. Mais la question était très importante parce que Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Quand je disais au départ que tu as quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de valeur, si tu ne sais pas ce que tu as, donc ça dit que c'est difficile. Tu peux avoir 1 million. Oh, j'ai béni Dieu parce que Dieu a permis, à travers la connaissance de ces morts, que les gens maîtrisent le diamant. Imaginez-moi au Congo. S'il n'y avait pas de blanc, tu vois un diamant, qu'est-ce que tu vas faire avec? Alléluia. Donc ça dit, la technologie nous aide quand même à comprendre certaines choses. Mais maintenant, nous parlons sur le plan spirituel. On peut avoir quelque chose. Tu peux avoir quelque chose. Une capacité. Quelque chose que tu ne sais pas. Que tu ne maîtrises pas. Toi-même, tu ignores que ce que tu as, ça vaut plus que l'or. Ça vaut plus que diamant. Alléluia. Et lorsque Moïse jeta, Moïse savait maintenant que j'ai quelque chose, j'ai un signe. Parce qu'il y avait plein de signes. Parce que la Bible dit, s'il ne croit pas, prend l'eau de la mer ou jette ça sur la terre, cela va devenir le sang. S'il ne croit pas, Dieu a donné tellement d'exemples. Mais laisse-moi te dire, le plus important que Dieu voulait utiliser, c'est ce qu'avait Moïse dans ses mains. Et laisse-moi te dire, on peut avoir plusieurs choses. On peut admirer ou envier d'autres connaissances. Mais le plus important que Dieu va opérer avec, c'est ce que toi tu as déjà. Alléluia. Ce que toi tu as déjà, c'est de celle-là que Dieu va opérer de grandes choses. De celle-là que tu dois expérimenter la grâce ainsi que la puissance de Dieu. Oh, je prie Dieu que Dieu se montre à travers ce que tu as déjà dans tes mains. Bien-aimé, ne cache pas la grâce. Ne cache pas ce que Dieu a mis en toi. Si tu as quelque chose, saute pour la gloire de Dieu. Dis à Dieu, les paix que j'ai, les moins que j'ai, voici ce que j'ai, voici, j'amène ça auprès de toi. Laisse-moi te dire, Dieu va opérer des miracles à travers, peu importe ce que toi tu as dans votre vie. Et Moïse avait un bâton, mais Moïse manquait aussi quelque chose. Et ce que Moïse manquait, parce que Moïse disait, ce n'est pas la seule difficulté, j'ai une autre difficulté, je ne peux pas, ce n'est pas aujourd'hui, mais je ne peux pas s'exprimer devant les gens, je suis incapable. Dieu lui a donné la bouche. Il dit, dans quelques minutes, quelqu'un va apparaître. Et lorsque lui viendra, lui, il est doué à la parole. Lui, il est doué à parler. Laisse-moi te dire, aussi, nous tous, nous allons exploiter
les paix que Dieu nous a donné, la grâce que Dieu nous a donnée, cette église sera différente. Et les gens vont voir la gloire de Dieu, non pas à travers une seule personne, mais à travers plusieurs personnes. Ce que lui a, ce que l'autre a, nous allons brandir ça pour la gloire de Dieu. Et Dieu va utiliser ça pour accomplir des signes et des prodiges. Et vous savez tous, qu'est-ce que le bâton de Moïse a accompli? Oh, l'expérience des bâtons de Moïse ne se fait pas seulement transformer devant la face de l'Éternel, mais devant aussi Pharaon. Son serpent s'est transformé. Et Pharaon croyait que son serpent est équivalent de tous les serpents, parce que des magiciens peuvent aussi fabriquer ou ramener les serpents. Mais laisse-moi te dire une chose, le miracle que Dieu accomplira dans votre vie, celui qui va résister à ce miracle, il sera avalé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible m'apprend que les serpents de Moïse ont avalé tous les serpents de Pharaon. Mais il n'a même pas changé la taille. Et lorsque Moïse a récupéré un bâton, le bâton était toujours devenu un bâton. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre à un enfant de Dieu cet après-midi? Tu dois savoir une chose. Quelque chose qui n'a plus la vie, quelque chose qui ne vit plus, Dieu peut lui donner encore la vie. Comment un bâton peut devenir un serpent et revenir un bâton? Alléluia. Un bâton, comme dit, est quand quelqu'un a une canne. Une canne représente quelque chose qui n'a plus de vie. Quand quelqu'un commence à marcher avec une béquille ou une canne, cela n'a plus la vie. Il porte quelque chose en lui qui n'a plus la vie. Comment peut-on croire à quelque chose qui n'a plus la vie, peut prendre vie? Alléluia. Il y a des choses qu'on a vécues à une certaine période, à une certaine réalité. Mais par contre, aujourd'hui, nous n'expérimentons plus ça. Laisse-moi te dire, ton Dieu rendra cela vivant. Ton Dieu rendra cela vivant. Notre Dieu rendra cela vivant. Laisse-moi te dire, la Bible m'apprend. Quand je disais que Dieu va opérer en fonction de ce que tu as. Il y avait une veuve. Une femme qui a perdu son mari qui était prophète. À cause des dettes, elle a eu beaucoup de problèmes. Un jour, cette femme a eu l'opportunité de raconter encore un prophète vivant. En lui disant tout simplement, voici mes problèmes, voici les réalités que je traverse. Le prophète lui a posé la question tout simple. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que toi tu as dans ta maison? Alléluia. Bien-aimé, la femme parlait des situations difficiles, des réalités qu'elle traversait. Mais par contre, la femme ne savait pas que ce qu'elle a, le paix qu'elle avait, que Dieu va opérer en fonction du paix qu'il avait. Le prophète lui a tout simplement posé la question, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et la Bible dit, la femme s'est rendue compte, j'ai un peu d'huile. Oh non, le prophète lui a recommandé, va maintenant, va récupérer toutes les vases du quartier, va récupérer toutes les bols du quartier, va récupérer. Et la Bible dit, il versa l'huile et l'huile ne finissait pas. Aux dernières choses, quand il demandait, mon fils, donne-moi encore une autre bol, maman c'est fini. L'huile aussi s'arrêta. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, tu es extraordinaire. Oh non, tu es extraordinaire. Oh non, je parle à l'église de Dieu, vous êtes extraordinaire. Oh, lutter, malgré les situations, malgré les réalités, combat, on ne lâche jamais parce que Dieu est avec toi. Quand je dis que vous êtes extraordinaire, un homme de foi ou une femme de foi, c'est celui ou celle qui n'abandonne jamais. Malgré les situations qu'il peut traverser, difficiles et complexes, ne lâchez pas Dieu. Parce que Dieu peut donner la vie là où il n'y a plus la vie. Dieu peut faire produire l'huile là où il n'y a plus l'huile. Après cette huile, ça va être la pauvreté. Non, Dieu fera avec ce que tu as, que tu expérimentes des miracles de Dieu. Et laisse-moi te dire, comme je disais, que Dieu opère en fonction de ce que vous avez. Et nous savons tous, je vais revenir dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit qu'il y avait des milliers de foules de personnes. La foule était là et tout le monde voulait. Et comme les disciples ont venu pour amener leur doléance en disant tout simplement, écoutez maître, il y a du monde ici. Ça serait mieux de renvoyer ces gens-là qu'ils partent là où ils viennent. Mais Jésus les a posé la question, qu'est-ce que vous avez vous-même? Donnez-les vous-même à manger, qu'est-ce que vous avez? Alléluia.
Bien-aimé, quand tu sais, tu maîtrises ce que tu as, Dieu va opérer dans une dimension extraordinaire. Quand tu ne sais pas que tu es un prince ou tu es un enfant béni, tu as la grâce de Dieu, tu vas faire des choses en plairant sans pourtant se rendre compte que les miracles que tu cherches, toi-même tu marches avec ces miracles. Parce que ma Bible me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Oh non, le miracle n'est pas loin de toi, mais toi tu marches avec des miracles. Le miracle ne vit pas loin de toi, mais toi tu vis avec miracles. Parce que Moïse avait la curiosité de marcher, mais toi tu vis et tu marches avec. Alléluia. Lorsqu'ils ont parcouru, ils ont trouvé quelques poissons. En fonction de ce que tu as, c'est en fonction de cela que Dieu va opérer. Alléluia. J'aimerais encore avancer. Nous allons lire Nombre chapitre 17. Nous allons lire les versets. Nombre chapitre 17, vous pouvez, verset 7 à 8, vous pouvez noter. Parce que c'est Nombre chapitre 18, 17, verset 7 à 8. Vous y êtes? Je lis la parole. Comme l'assemblée se liguait contre Moïse et Aaron et qu'ils tournaient les regards vers la tente de la rencontre, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Nombre 17, verset 7 à 8. 17, 7, 7 à 8. Verset 7 à 8. C'est bon? Oui. Il y a un problème. Il y a un problème. Prends. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi. Avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? L'ordre a été donné par l'Éternel. Alléluia. Là-bas, c'est? Donc, dans votre version, c'est 21-22. D'accord, vous y êtes maintenant? Essayez de voir 21-22. Ah, c'est compliqué ça, il y a une grosse écart là. Donc ça, il faut penser à ça. C'est la première fois que ça nous arrive. Ça, c'est la, heureusement, gloire à Dieu, c'est la première fois. On n'a pas eu ce genre de problème parce que s'il y a tellement d'écart, c'est tellement grand. Alléluia. J'aimerais relater. L'Éternel a donné l'ordre à chaque tribu. Des chefs de tribu qui avaient des verges. Il a dit à Moïse, prenez toutes les verges, plantez-les. Mais l'Élie, celui qui est choisi, sa verge doit revenir encore à la vie. Alléluia. Et là maintenant, on parle le lendemain matin. Moïse s'éleva. Il va, il trouva que la verge d'Aaron a repris vie. Alléluia. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, quand tu reçois la parole, parce que la Bible déclare la parole que nous enseignons est esprit et vie. Et laisse-moi te dire, chaque fois que tu reçois la parole, que la parole de Dieu te donne la vie, te communique la vie. Là où il y avait la mort, que la vie entre à cause de la parole de Dieu. Oh, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, quand Dieu va faire des miracles, laisse permettre seulement que la parole vienne vers toi. Quand la parole arrive, la parole ne part jamais sans pour autant produire des effets. La parole va créer des choses que tu n'as jamais expérimentées. Et laisse-moi te dire, si tu reçois l'ordre de l'Éternel, tu as quelque chose en toi que Dieu va utiliser cette année.
Tu as quelque chose en toi, l'église de Dieu, que Dieu va utiliser dans cette année 2021. J'aimerais seulement riposter un enfant de Dieu à comprendre. Même si on peut dire que la vie n'est plus, mais comme nous avons un Dieu, comme nous avons l'Éternel, comme la parole a été envoyée, j'aimerais te dire que la vie doit revenir dans notre corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie revienne. Si un verge qu'on a utilisé des années sans la vie, à cause de la parole, cela a pris vie. Combien a pris forte raison votre vie? Alléluia. Que la parole de Dieu entre en toi, qu'elle apporte aussi la vie. Que la parole de Dieu entre en toi, crée une autre dimension. Nous allons lire dans Jean. Jean chapitre 17. Jean chapitre 15, verset 16, pardon. Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15. Je lis la parole. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Encore une fois. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce qu'on vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. J'ai parlé je disais Jean chapitre 15, verset 16. Il y a des gens qui ne sont pas encore, parce que je vois des réactions. C'est bon? D'accord, encore une fois, parce que... Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Quand Dieu veut opérer des miracles dans votre vie, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Les arbres qui ont poussé, Dieu a dit que mettez ça. Mais l'arbre qui a été choisi, c'est Jésus lui-même qui a choisi. C'est Dieu lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas vous qui avez choisi Jésus. Que votre vie, quand nous parlons d'un arbre, ce n'est pas l'arbre physique. Ce n'est pas l'arbre comme nous parlons de l'arbre. C'est notre vie, que ta vie porte des fruits. Oh non, quand ta vie porte des fruits, tout ce que tu dois demander en priant, durant cette année, Dieu va l'accomplir. Je prophétise pour ta vie. Étant donné que la vie, la parole amène la vie, que cette année, que tes paroles soient dangereuses. Je prophétise pour ta vie. Lorsque tu dois prier, aucune puissance ne puisse te résister au nom de Jésus. Je déclare pour ta vie, étant donné que ce n'est pas qui a choisi Jésus, mais c'est Jésus qui nous a choisi à cause des fruits de l'esprit que tu portes, que tes ennemis soient terrassés au nom de Jésus. Oh, je déclare que peu importe le vent, les résistances que l'ennemi a planifiées, durant cette année, aucun malheur ne pourra t'arriver parce que le miracle est avec toi. Je prophétise que tes paroles donnent la guérison dans la vie de ceux-là qui sont malades. Oh, je prophétise que l'argent ne te résiste pas parce que tu es avec Dieu. Je prophétise, lorsque tu prieras, aucune autorité maléfique ne puisse te résister. Oh, je prophétise que ce qui est en toi, que fasse des miracles au nom de Jésus. Oh, je déclare, si dans Moïse avait un bâton, toi tu as des paroles dans votre vie. Toi tu as des paroles dans ta bouche. Toi tu as des paroles pour déclarer. Tu as des paroles pour changer des choses. Dans le monde visible, dans le monde visible. Ton bâton doit opérer des choses. Si quelqu'un dit que tu mourras, toi tu diras que je ne mourrai jamais. Si quelqu'un te dit que tu souffriras, toi tu dis que je ne souffrirai jamais. Parce que la vie est à moi. Jésus est devenu la vie dans un corps mortel qui a été déjà condamné à la mort.
de la poussière à la poussière. Il est devenu malédiction pour que tu ne sois plus malédiction. Il est devenu pauvre pour que tu expérimentes la bonté de Dieu. Il était là, il était insulté pour que lorsque tu seras insulté, qu'il représente que lui, il a déjà vaincu. Aucune réclamation ne pourra opérer dans votre vie parce que Jésus a pris contrôle de ton corps. Le fruit que tu portes, ce n'est pas de toi, mais ça vient de lui-même. Expérimentez maintenant la puissance de Dieu pour témoigner combien Dieu est grand. Bien-aimé, laisse-moi te dire, des gens peuvent douter. Comme Moïse disait à Israël, aux Israélites et aux Égyptiens. Qu'est-ce que les Israélites et les Égyptiens? Il y a des païens, il y a des chrétiens. Il y a même des chrétiens qui doutent aujourd'hui. Mais toi, ne doute pas. Parce que notre Dieu est véritable. Oh, tes expériences vont t'aider à avancer et à aller avec Dieu. Tes expériences vont t'aider à expérimenter la puissance de Dieu. Que la grâce de Dieu t'affecte. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Demande à Dieu s'il a pris la vie. Si la vie n'est plus. Je crois que à ta parole, la vie peut venir. Je crois, si tu dis un mot, la vie peut entrer. Commence à prier maintenant. Commence à demander à Dieu. Dis, Éternel, je suis là. Je crois à ta bonté. Seigneur, je sais que si la vie n'est plus, si c'est que j'avais des années et des années que je croyais que c'est inutile, maintenant je prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie que la grâce, que la vie entre maintenant. 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 Au nom de Jésus. Père, j'appelle au nom de Jésus. Ce que j'ai, ce que nous avons, voici ton peuple. Ce que j'ai, voici ton peuple. Seigneur, je n'ai rien, mais je sais qu'à travers ce peuple, des miracles vont se produire. Je sais, à travers cette église, de grandes choses vont s'opérer. Je sais, à travers ma sœur, des gens vont expérimenter la bonté de Dieu. Je sais, à travers ton nom, Jésus, que expérimenter l'onction et la puissance de Dieu. Tu nous as choisi les premiers. Tu nous as choisi pour exaucer nos prières. Tu nous as choisi pour accomplir des choses. Tu nous as choisi pour réaliser. Oh, ramener vivant ce qui est détruit en nous. Tu nous as choisi pour, oh Seigneur, opérer au-delà de notre capacité. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu que cette année, est-ce que tu peux dire après moi cette année? Tu peux dire après moi cette année, je ne serai pas bloqué. Cette année, aucun malheur n'atteindra mes enfants. Cette année, je serai victorieux. Cette année, je déclare la vie qui est en moi. Cette année, mes prières seront exaucées. Cette année, je vais toucher la bénédiction de Dieu. Cette année, je vais palper la grâce de Dieu. Cette année, je vivrai la bonté de l'Éternel. Cette année, cette église va aller en avant. Cette année, c'est moi qui serai le miracle de cette église. Déclare maintenant, cette année, mets ton nom, c'est moi qui serai le miracle de cette assemblée. Commence maintenant à prier. Je reconnais l'Éternel Jésus. Tu peux tout dans ma vie. Rekache baba baba baba. Ronda kasha baba baba baba. Ikata kache brekabo. Ya baba ke che bébé. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Je sais que cette année sera la meilleure pour chacun d'entre nous. Père éternel, tu as fait dans nos vies de grâce à accomplir. Seigneur, nous puissions là où les gens sont en train de chercher un système de la mort, de maladie. Je sais que Père éternel, toi tu as déjà mis des Seigneur, fais-moi.
tu as déjà mis les remparts prévus. Je sais que la réponse à chacun d'entre nous sera fais-moi celle qui s'est faite attendre des années, des années, de tout le temps éternel. Oh, ta gloire et ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Voilà pourquoi, Père éternel, tout ce qui est bon. Fais-moi